Voilà, désolé pour ce grand retard, vraiment. Ça fait au moins la 10e fois que j'essaie de lancer le direct. Nos opérateurs téléphoniques au Cameroun, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Je ne sais pas si dans d'autres nations africaines, c'est la même chose. Ça ne vaut pas du tout la peine. Vous mettez la connexion. Vous renouvelez la connexion. Mais ça passe, le réseau passe. Chaque fois que tu fais la connexion pour les mégas, on ne te dit pas que non, non, ça n'a pas fonctionné parce que il n'y a pas le réseau. Quand c'est l'argent là, ça passe toujours. Je ne sais pas comment ça se passe, cette magie-là. Maintenant, quand tu veux te connecter, on dit qu'il n'y a pas la connexion. Voilà. Bonne arrivée donc ce matin. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. On va parler d'un sujet très 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 poignant ce matin. Donc connectons-nous s'il vous plaît. Partageons la vidéo. Partage la vidéo au moins à 10 personnes ce matin. Au moins à 10 personnes. Au moins à 10 personnes. 10 personnes. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour cette nouvelle journée que tu nous donnes encore. Nous voulons te bénir et te servir. Et ce matin, que ton nom soit glorifié davantage au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo. Il y a une affaire un peu sérieuse là que je dois partager avec vous au sujet de mon interpellation. On va en parler parce que je suis très, très en colère. Très en colère. Très en colère. Il y a des choses qu'il faut qu'on rectifie dans cette nation. Voilà. Nous attendons nos bien-aimés. Et il faut dire que nous avons commencé le séminaire hier. On a commencé hier pour ceux qui ne le savez pas, nous avons un grand séminaire d'onction supérieure pour le mariage et pour les finances. On a commencé, c'était hier. Et bien-aimé, si tu es dans la ville de Yaoundé et tu as manqué à ce début de séminaire, tu peux te rattraper ce soir à partir de 17h à la bille du côté de Kouaban. Et demain, nous allons clôturer. Nous allons faire des choses extraordinaires. Dieu va déblayer nos vies. Le Seigneur nous visitera et nous accordera la grâce d'opérer dans la dimension de l'onction supérieure sur le plan marital et sur le plan financier. Vous savez qu'on a besoin de la main de Dieu. Dans chaque domaine de ta vie, tu as besoin de la main de Dieu. Donc, mais ce matin, nous voulons parler, je voudrais parler de mon interpellation au niveau du commissariat spécial. Je voudrais revenir là-dessus parce que je juge qu'il y a des choses que les hommes de Dieu ne doivent plus subir. Il y a des choses que les hommes doivent subir. Bon, mais s'il n'y a personne pour parler, je pense que pour moi, je voudrais aborder ces sujets-là. Je voudrais aborder ces sujets. Parce qu'il faut quelqu'un pour sonner à la sonnette d'alarme, parce que les générations qui viennent après nous, les générations qui viennent après nous, ont le regard rivé sur nous. Elles ont les regards sur nous. Nous sommes des précurseurs de quelque chose de redoutable qui va se passer dans l'église de Dieu. Je me souviens qu'il y a cela quelques années, j'étais en train de prier dans ma chambre, avant même que je ne commençasse le ministère. Je priais dans ma chambre lorsque j'ai eu une vision. J'ai eu une vision, c'était une très grande armée, une armée puissante. C'était une armée de prophètes.
C'était comme un vent de Dieu qui soufflait dans toute la nation camerounaise. Et j'ai demandé au Seigneur, ce vent, c'est quoi? Il m'a dit, je me susciterai une jeune armée dans cette nation qui portera jusqu'aux extrémités de la terre l'étendard de mon nom et de mon évangile. Voilà donc, et je bénis Dieu parce que mon nom faisait partir de cette jeune armée. Et de plus en plus, nous voyons dans le monde entier cette recrudescence d'hommes de Dieu qui se lèvent pour pouvoir manifester la gloire de Jésus-Christ et la puissance de l'évangile dans le monde entier, sous toutes ses formes, par l'évangile, l'évangélisation, les dons ministériels, les dons, les 9 dons du Saint-Esprit. Toutes ces choses-là contribuent à apporter la gloire de Jésus-Christ dans le monde entier et à faire avancer l'évangile. Nous sommes des soldats, nous sommes dans un champ de bataille. Alors, je vais revenir maintenant sur l'histoire de mon interpellation. Vous savez, je suis en retard, même déjà, il est à 10h15, donc je vais aller droit au but. Vous savez, bien-aimé, j'ai reçu une convocation et j'ai reçu une convocation. Et dans notre commissariat, et je suis allé là-bas. Donc je m'y suis rendu. Et quand je suis arrivé, on m'a dit d'attendre un peu parce que le commissaire spécial n'était pas encore là. Donc, après un certain temps, il est arrivé. On s'est salué. Je ne le connaissais pas, on ne s'était pas encore rencontré un jour. Je l'ai salué. Et puis il m'a demandé de le suivre dans son bureau. Et donc, nous sommes allés dans son bureau. Quand nous sommes arrivés dans son bureau, il m'a fait asseoir et nous sommes passés aux civilités. On est passés aux civilités. Mais dans mon cœur, j'étais quand même ferme. J'étais très ferme parce que je me disais qu'il s'agisse de quoi que ce soit, je parlerai avec fermeté en tant qu'homme de Dieu. Parce que parfois, nous, les hommes de Dieu, nous ne connaissons pas notre propre valeur. On ne connaît pas. Ça dit que tu prêches l'évangile aux gens. Ils donnent leur vie à Jésus. Le menteur devient véridique. Le prostitué, le gigolo, devient un mari responsable. La femme prostituée qui faisait le poteau, maintenant elle craint Dieu. Elle a de la dignité. Les braqueurs, les voleurs, maintenant ils voient la chose d'autrui, ils ramènent ça au légitime propriétaire. Donc nous faisons un travail qui ne doit pas être méprisé. Et je ne peux pas accepter que quelqu'un méprise le travail des hommes de Dieu. Je causais avec un ami préfet et il me disait que lorsqu'il était encore, je pense, sous-préfet, il avait un patron, un préfet, qui était un homme mature. Et il dit que cet homme lui a donné la sagesse de la vie. Et cet homme, ce préfet leur disait que dans la vie, quand tu arrives quelque part en tant que sous-préfet ou préfet ou gouverneur, on ne sait pas trop quoi, c'est-à-dire tu travailles dans l'administration, il lui a dit qu'il y a 3 groupes de personnes dont il faut t'entourer et avec qui il faut avoir de bonnes relations. Si ces 3 personnes-là, tu les as automatiquement, tu as toute ta localité sous toi et ton gouvernement sera réussi. Et il lui a cité, je pense, des chefs traditionnels. Il a parlé des chefs traditionnels, il a parlé des chefs religieux, de tous les chefs religieux de la localité où tu es affecté. Et il y a une troisième couche sociale là qu'il a énumérée, dont j'ai oublié, que j'ai oublié. Donc, et il lui disait il m'a dit qu'il leur disait, lorsque tu as ces gens-là, tu t'entends avec ces gens-là, tu as toute ta population. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu ont, c'est des hommes du peuple, c'est des gens du peuple en réalité. C'est les hommes du peuple. Nous sommes en contact avec le peuple et avec des milliers de personnes. Et nous faisons, si tu as devant toi une personne qui parle et qui convoque une rencontre, et il y a 15 000 personnes qui se rassemblent en un culte de dimanche au palais des sports de Ouarda. Mon ami, les 15 000 personnes qui se rassemblent là, ce n'est pas la totalité. Hein. Il y a des gens dans leur famille qui ne sont pas venus, mais qui connaissent la parole qui est enseignée par cet homme de Dieu. Donc les 15 000, tu peux multiplier ça même par 10. C'est-à-dire pour combler le déficit des absentéistes, de ceux qui ne sont pas venus dans les familles. Parce que parfois les parents viennent avec l'essentiel de leurs enfants ou des membres de leur famille. Donc quand tu vois un homme de Dieu rassembler 15 000 personnes, tu multiplies ça au moins fois 10 pour avoir une idée des, c'est-à-dire des relations que ces 15 000 personnes ont.
et dont des personnes, la totalité environ, des personnes qui entendent parler de cet homme de Dieu ou qui sont sous l'influence de la parole de l'Éternel dans sa bouche. Donc c'est pour dire que si on ne peut pas négliger les hommes de Dieu, on ne peut pas nous négliger, parce que même il y a des hommes politiques, leur meeting ne rassemble pas les gens que nous on rassemble tous les mois. C'est ça la vérité. Et donc ce préfet a dit à ce jeune, à son jeune fils qui était sous-préfet, que les hommes religieux, quand tu les as, les dirigeants traditionnels, les chefs là et tout ça, quand tu as dans une localité, tu les as avec toi, tu as le village. Les hommes religieux, quand tu les as, tu as aussi le village, parce que ce sont des personnes que la population écoute. Voyez. Donc, on ne peut pas mépriser un homme de Dieu. On ne peut pas venir bafouer un homme de Dieu. Ce n'est pas sage, en fait. Ceux qui nous gouvernent doivent comprendre cela. Je pense que tout État responsable comprend que les hommes. Normalement même. Et il m'a même dit que ce préfet, ce vieux préfet leur avait dit que les hommes de Dieu doivent même être payés. Et c'est même vrai. Les hommes de Dieu, on doit même nous payer. Le gouvernement devrait financer nos églises. Parce qu'il a dit que le travail d'éducation que vous faites, le gouvernement n'a pas l'argent pour payer des enseignants pour ça, pour rééduquer les gens, réinsérer les gens. Tu vois un prisonnier qui a tué, qui a volé, qui était braqueur. Il vient, il est pasteur aujourd'hui. Il prêche la bonne nouvelle de l'évangile. Lui-même est un modèle. Il voit la chose d'autrui, il ne touche plus à ça. Il n'est même plus tenté à aller braquer. Et vous vous attaquez à des gens comme ceux-là. Vous êtes en train de vous attaquer à la destruction et vous attaquez à ceux qui sont les gardiens de la sécurité de la société, de la nation. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Donc un gouvernement qui s'attaque aux hommes de Dieu est un gouvernement qui manque de sagesse. La vérité, c'est que parfois, il y a des gouvernements ou des gouvernants qui sont fâchés parce que les hommes de Dieu leur disent certaines vérités. Vous voyez. Et là, ça pose un réel problème. Nous sommes là la voix de Dieu. Nous sommes la voix de Dieu pour vous. Quand nous parlons de la part de l'Éternel, c'est pour le bien de la nation. Je n'ai jamais vu un homme de Dieu qui va se lever pour vouloir le mal pour son peuple, contre sa nation. Non. Tout ce que nous faisons, c'est pour votre bien, pour le bien de notre nation. Donc, si on dénonce quelques dérives, il ne faut pas prendre ça comme un mal ou bien comme un affront. C'est la parole de l'Éternel. Nous sommes des instruments entre les mains de Dieu pour annoncer les oracles de Dieu. On ne peut pas aussi ne plus annoncer les oracles de Dieu parce qu'on a peur des représailles du gouvernement ou bien de l'État. Non. L'État doit comprendre que les hommes de Dieu, je parle des vrais prophètes qui entendent la voix de Dieu, ceux qui disent et la chose arrive de la part de l'Éternel des armées. On ne peut pas compter le nombre de prophéties que l'Éternel m'a fait dire dans cette nation qui se sont accomplies. On ne peut pas, c'est toute une litanie, c'est toute une ribambelle. Voyez. Donc, s'il faut parler de cela, on en parlera jusqu'à ce qu'on soit fatigué, mais il restera encore des choses à dire, sur quoi il y a des choses à dire. Les hommes de Dieu doivent être respectés. Je suis contre le fait qu'un homme de Dieu, c'est-à-dire malgré le travail qu'il fait, on ne le paye pas. Et parfois même les miettes qu'il a, on veut le condamner à cause de cela. Et que quelqu'un parle à un homme de Dieu comme s'il parlait à son égal ou à n'importe qui. Nous sommes quand même des ministres du royaume de Jésus. Mes amis, nous appartenons à un gouvernement très puissant. Et je disais à quelqu'un l'autre jour que je ne comprends pas pourquoi tous ceux qui se sont opposés à mon ministère ont payé un prix lourd. C'est ça la vérité. On va revenir là-dessus. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Pourquoi? Parce que nous portons la jalousie de Dieu en nous, mes amis. Nous convertissons les gens à Christ. Nous envoyons les âmes au ciel. On fait déménager les gens tous les jours de l'enfer pour le paradis. Donc ce travail, il est très important. Et nous méritons le respect. Nous méritons le respect. Nous guérissons des âmes, nous guérissons des cœurs par la parole de Dieu. Ce que les psychologues ne peuvent pas faire, nous le faisons parce que nous le sommes. Nous sommes en même temps des médecins, nous sommes des enseignants, nous sommes des docteurs de l'esprit, du corps. Nous prions pour les malades physiques. Le Seigneur les guérit. Nous enseignons la jeunesse et elle se responsabilise vis-à-vis de sa destinée. Et ça fait que grâce à l'Église, le taux de chômage baisse, le taux de banditisme, de grand banditisme baisse, de prostitution, ça baisse. Nous enseignons à la jeunesse de se responsabiliser, aux jeunes filles de s'honorer et de garder leur dignité, etc. Et puis ça fait que les maladies vénériennes, toutes ces maladies, la MS, IST, là, toutes ces choses-là baissent à cause de la présence de l'Église. Ouais. Donc, le rôle des hommes de Dieu, nous sommes des régulateurs. Nous sommes des régulateurs d'une coexistence pacifique dans la société. Nos enseignements éduquent, nos enseignements fortifient,
Nos enseignements donnent une voie à suivre et ceux qui pratiquent nos enseignements sont parmi les meilleurs citoyens de leur nation, quelle que soit leur nation. C'est ça la vérité, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Alors, j'ai été convoqué, donc je suis arrivé dans le bureau du commissaire et après les civilités, il m'a montré une pile de dossiers. Il m'a montré une pile de dossiers. Il m'a dit que ça, c'est votre dossier, c'est votre dossier ici. Ça, c'est vous. C'est des enquêtes sur vous. J'ai dit, waouh. Il m'a dit, oui, c'est des enquêtes sur vous. Et il m'a dit, partout où vous allez vous déplacer, vous êtes suivi. Parce qu'au Cameroun, lorsque vous rassemblez, il y a 500 personnes, le gouvernement vous surveille. Il m'a dit, partout où vous partez, vous faites gestes là. Nous connaissons cela. Et il m'a dit, nous avons fait des enquêtes sur vous. On a fait des enquêtes approfondies sur vous. Et on n'a rien trouvé de mal parce que vos collègues, à peine ont fait, et ont trouvé vraiment la boîte de Pandore est ouverte. Il y a des choses terribles qu'on découvre. Mais cependant, vous êtes un homme bien financièrement, bien placé. Je répète ces mots, hein, vous êtes riche. Vous êtes riche, vous vivez dans le luxe, vous avez des voitures de luxe, vous avez une belle maison et tout ça. Et au début, il m'a expliqué que vous êtes parmi les hommes de Dieu qui rassemblent le plus au Cameroun. On vous a vu faire des programmes, parler de plus de 10 000 personnes. Et le gouvernement apprécie cela. Ça veut dire que nous reconnaissons que vous faites un bon travail. Vous éduquez la population, vous aidez les gens à devenir de bons citoyens. Donc ce travail est appréciable. Mais votre argent vient d'où? Vous avez tout cet argent-là, ça vient d'où? Et si vous pouvez me parler sincèrement, quelle est la source de votre richesse? Vous êtes riche comme ça, là. L'argent-là vient d'où? Et là, je pense que c'est où les choses se sont un peu gâtées entre nous. Les choses se sont gâtées. Et je lui ai dit que je prends ça comme une offense personnelle. Je prends ça comme une insulte et une injure personnelle. Et je lui ai posé la question suivante, mon commissaire. Et si vous pouvez poser cette question à un prêtre catholique ou un archevêque catholique, est-ce que vous pouvez le faire? La deuxième question, est-ce que vous pouvez poser la même question à un imam? Est-ce que vous pouvez le faire? Je lui ai dit la réponse est non. Vous êtes d'accord avec moi. Pourquoi vous me posez la question? Parce que je suis jeune et parce que j'appartiens à une église évangélique, charismatique. Parce que vous nous avez toujours méprisés. Vous avez toujours dit que nous sommes des va-nu-pieds. Ça veut dire que nous ne sommes bons à rien dans la société malgré le travail que nous sommes en train d'abattre. Aujourd'hui, il faut savoir qu'au Cameroun et dans beaucoup d'autres nations, les églises des évangéliques sont les églises qui ont le taux de conversion le plus élevé. Ça veut dire que les gens quittent de toutes les religions pour croire l'évangile que nous prêchons avant la démonstration et la véracité de la parole que nous donnons aux gens. Les gens sont convaincus. C'est ça la réalité. Je leur dis, il faut faire attention. Votre manière de juger les hommes de Dieu de notre catégorie est biaisée. Elle est fausse, elle est archaïque, elle est dépassée. Je lui ai dit, si j'étais un imam, vous ne poseriez pas ces questions. Parce que vous craindriez pour ne pas attaquer les musulmans. Parce que vous savez, là, c'est la sauvagerie. On peut même venir vous assassiner chez vous. On peut vraiment, on peut te traiter. Dans tous les cas, vous le savez. Je n'ai rien à enseigner à quelqu'un. Vous ne pouvez pas le faire avec les catholiques. Parce que vous savez que les plus hauts dignitaires du gouvernement persévèrent chez eux. C'est ça la vérité. Vous ne le feriez pas parce que votre poste serait mis en danger. Mais vous me parlez pourquoi? Parce que je suis jeune. Et puis j'appartiens à une église charismatique, une église évangélique. Quoi que ce soit, une congrégation baptiste, il y a une grande révolution que nous sommes en train d'amener aujourd'hui. Donc, c'est pour cela que vous prenez cette liberté pour me demander que mon argent vienne d'où? Je trouve l'argent là où? Donc, ça veut dire que vous méprisez le travail que je fais. Vous me méprisez moi-même. Et je lui ai dit, je comprends que vous êtes un fonctionnaire de l'État. Peut-être votre salaire, je ne sais pas, c'est 200 000, 300 000. Je comprends cela. Et j'avais garé une Mercedes là que j'avais achetée au Togo. Et je lui ai dit, je comprends que toute votre carrière, votre salaire réuni n'achètera pas cette voiture. Mais vous ne pouvez pas me comparer à vous, parce que je suis un homme de Dieu. Vous voyez, parfois, je suis un peu dépassé. Je suis dépassé par certaines analyses que les gens font souvent. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu récurrentiel dans notre génération aujourd'hui. Lorsque vous voyez les présidents de la République, on parle des biens mal acquis. Vous voyez un président de la République comme Vladimir Poutine. Vous connaissez la villa qu'on a montrée, disant que c'est sa villa. Et l'opposant qui est en prison dernièrement, qui a été mis en prison dernièrement,
qui a fait, c'est Navalny, qui a expliqué que voilà une villa que Vladimir Poutine est en train de construire. Un président de la République, il achète une villa où il construit une belle maison. On dit que c'est l'argent du contribuable et il a eu l'argent où pour aller acheter la maison. Un chef d'État, mes amis. C'est quel genre de mentalité ça? C'est-à-dire qu'on est même dans quel monde? Un chef d'État, il roule dans une belle voiture. Les gens demandent que non, c'est quel? Pourquoi il roule dans la belle voiture? C'est le bien mal acquis. Il a détourné. Mes amis, même les préfets, même les sous-préfets ont des cadeaux et des dons. Même les sous-préfets ont des dons et des cadeaux. Moi, j'ai rencontré des autorités à qui j'ai fait des dons respectables. C'est des avantages du service. Il y a des préfets, le gars construit une maison, tu vois la maison, tu penses qu'il est en train de détourner les deniers publics, il n'a rien détourné. Parce qu'il fait bien son travail, les gens reconnaissent que quelqu'un vient, lui donne 5 millions. Quelqu'un d'autre vient, il lui donne 500 000. L'autre vient 200 000. S'il est intelligent, ce n'est pas un buveur et quelqu'un qui se livre au beuverie. Alors, il va construire une belle maison. Il va construire une belle maison avec. Quelqu'un gouverneur quelque part, les gouverneurs, ils ont les voitures. Quelqu'un peut arriver, un homme d'affaires, il demande un service à un gouverneur, le service est fait, bien fait, et il achète une Land Cruiser, il offre ça en cadeau à un gouverneur. Et on va dire quoi? Le gouverneur est en train de voler, le gouverneur est en train de détourner l'argent des deniers publics. Quel denier public? Lorsque quelqu'un occupe un certain poste, vous oubliez qu'il a des connexions. Il peut avoir aussi des connexions avec des hommes d'affaires, avec des présidents, avec des ministres, avec tel, qui peuvent aussi lui faire des dons. Et de surcroît, un chef d'État qui est en relation avec les plus grandes sociétés financières au monde, en relation avec d'autres chefs d'État, qui peuvent faire des dons sur des millions, qui coûtent des millions. C'est ça la vérité. On demande à un chef d'État pourquoi il habite dans un palais et tous les Camerounais marchent à pied. Allez demander à Dieu pourquoi il est au ciel là-bas, dans la gloire. Nous, on dort dans la poussière. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Dieu nous a créés, mais on n'a pas la même gloire que lui, mes amis. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. On ne peut pas demander à un chef d'État pourquoi il vit dans le luxe. C'est quand même un chef d'État. Il a les connexions les plus hautes que toi et moi. Peut-être on n'aura jamais. Il y a des avantages de service qui peuvent faire des milliards et des milliards pendant son mandat. Mais dès qu'un chef d'État monte, il était dans un studio, il faut qu'en sortant, en finissant son mandat, il retourne dans le studio. Mais c'est la folie, mes amis. C'est la folie. C'est vraiment la folie. Donc, de même aussi, il y a une pensée collective aujourd'hui au niveau du gouvernement qui pense que nous, de cette génération, les hommes de Dieu, un homme de Dieu ne doit pas être riche. Un homme de Dieu ne peut pas construire une maison. Un homme de Dieu ne peut pas avoir une belle voiture. Non, mais sérieux, il faut changer. C'est une mentalité retardée. C'est une mentalité dépassée, c'est une mentalité périmée. Les hommes de Dieu vont marquer cette génération et ça n'a même pas encore commencé. Et j'ai compris que l'affaire-ci est récurrente, surtout dans l'église francophone. C'est ça la vérité. C'est l'église francophone qui a plus ce problème. Donc, le commissaire me demande que mon argent vient d'où? Tout cet argent vous vient d'où? Je lui ai dit, attendez, monsieur le commissaire. C'est vous-même qui venez de me dire que je rassemble au moins 10 000 personnes. Et à l'époque, j'étais même. On dit, je rassemble 10 000 personnes. Vous-même, vous avez dit ça. Que le gouvernement reconnaît le travail qu'on est en train de faire. Et je me souviens qu'on m'avait appelé. La présidence m'avait appelé à l'époque pour me féliciter. Pour dire vraiment, nous voulons le travail que vous faites, etc. J'avais donné un professeur chef de l'État. Donc, vous confirmez toutes ces choses-là. Maintenant, vous gâtez notre causerie que je trouve l'argent où? Je leur ai dit, mais attendez. Un pasteur qui peut rassembler 10 000 personnes en un culte. Si les 10 000 personnes, mes enfants là, décident de me donner 10 000 ou 1 000 francs par personne sur les 10 000, ça fait 10 millions par mois. 10 millions par mois. Et combien de commissaires peuvent toucher 10 millions par mois? Je leur dis non, laissons les offrandes ou bien tout le reste là, mettons ça de côté. Combien de fonctionnaires peuvent toucher 10 millions, puisque si tu fais bien ton travail, les gens sont reconnaissants. La Bible dit quoi? L'ouvrier mérite son salaire et tu n'amuseras pas le bœuf lorsqu'il foulera les grains. Les gens nous aiment. Il y a des gens reconnaissants. Moi, je donne un exemple simple. Je prie pour une femme, pour une dame, pour une maman. Père son âme, elle n'est même plus aujourd'hui. J'ai un exemple que je vous donne. Je vous donnerai des exemples. Je prie pour une maman. Elle vient me trouver dans mon bureau. Elle me rencontre dans mon bureau. Et
Je la regarde en cause. Elle est venue, c'est une autorité, avec des gardes du corps, ces gardes du corps et tout cela. On est en train de causer avec elle. Pendant qu'on cause, l'Esprit du Seigneur ouvre mes yeux et je vois quelque chose dans sa vie. Et je demande à la dame, je vois un monsieur qu'on appelle Aladi autour de vous, c'est qui? Elle me dit, non, c'est un monsieur avec qui je travaille depuis 25 ans ou 30 ans aujourd'hui. Et j'ai dit à la dame, cet homme vous a volé toutes vos richesses. Il a vendu vos biens. Elle dit, non, ce n'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Elle s'est fâchée contre moi, elle est partie. Mais avant de partir, je lui ai dit, madame, écoutez, s'il vous plaît, allez vérifier vos biens. Elle est partie. 2 semaines après, elle est revenue en pleurant. Elle m'a dit que cet homme, elle s'est rendue compte, elle a vérifié, le monsieur a vendu presque tous ses biens. Tous ses biens. Elle m'explique donc qu'elle était quelque part, le monsieur est venu rapidement avec des documents lui disant de signer ça, qu'il y avait son. Elle avait un domaine à Douala, disant qu'il y a des Arabes, une société arabe qui veut louer. Donc elle signe l'acte de location. Elle a signé. Pourtant, c'était l'acte de vente. Le monsieur a vendu le terrain à plus de 600 millions de francs CFA. Tout le domaine. La femme n'a pas reçu 5 francs. Elle s'est mise à pleurer dans mon bureau. Et elle m'a dit ceci, prophète. Si vous priez pour moi et Dieu me fait récupérer au moins une partie de mes biens, je paierai la dîme de tout cela. J'ai prié avec elle. J'ai pris ça très au sérieux. J'ai enlevé ma veste. J'ai engagé la prière. Et peut-être un mois après, un jour, elle m'a appelé. J'étais au bureau. Elle m'a dit, prophète, je lui ai dit que je suis au bureau. Elle m'a dit, est-ce que je peux vous voir? J'ai dit que non, non, je suis occupé. Elle m'a dit, non, non, pardon, venez, je veux vous voir. Je lui ai dit, madame, vraiment, moi, je ne vais pas voir les gens, hein. Je suis dans. Elle dit, s'il vous plaît, venez m'accompagner quelque part. Je suis allé. Et nous sommes allés en banque. Elle avait récupéré une propriété qu'elle a revendue. Et puis, elle m'a donné la dîme de 10 millions de jours. Là, quand je suis rentré dans mon bureau, j'avais 10 millions dans ma poche. Et après, elle a encore récupéré un autre bien. Elle l'a encore vendu. Elle m'a encore appelé. Elle m'a donné 7 millions de francs CFA de dîme. La dîme. 7 millions, pas l'offrande. On met maintenant l'offrande qu'elle a donnée. Peut-être elle avait l'enlevé, c'est 3 millions pour me donner que ça, c'est l'offrande, ma contribution. Elle était bienfaitrice. Elle donnait sa part de contribution de bienfaiteur par an. Elle donne pour toute une année. Donc, vous prenez un cas comme celui-là. Juste ça. Imaginez-vous donc que je prie pour 10 personnes comme ça qui me donnent 10 millions, ça fait 100 millions en un mois. Il ne faut pas vraiment, il faut pas exagérer. Faut comprendre que les hommes de Dieu doivent être respectés. Nous prions, parfois tu vois même un policier qui te parle, son V même, tu ne sais pas si c'est le U ou bien si c'est le V. Il te parle avec mépris. Pourtant, tu pries pour des commissaires. Ils se mettent à genoux, des commissaires divisionnaires, avec 6 étoiles, ils se mettent à genoux. Tu pries pour eux, ils te respectent, ils te parlent avec révérence, parce qu'ils reconnaissent le don de Dieu en toi. Ils reconnaissent l'autorité spirituelle que tu portes. Il t'a dit, on te respecte, mais tu vas voir un policier là, il te parle avec mépris. Il te sous-estime. Vous voyez, ce n'est pas bon. Je me souviens hier, par exemple, je donne un exemple récent. Hier, j'étais en train de sortir de ma maison. Pendant que je sortais de ma maison, il y a une de mes filles qui est venue là arrêter ma voiture. Elle a dit, non, la voiture ne sort pas et tout ça. Et j'ai baissé la vitre. Je lui ai dit, tu sais que je ne reçois pas les gens à la maison et en plus, je ne reçois pas si ce n'est pas sur rendez-vous. Elle m'a dit, papa, vraiment, j'ai mon offrande là, je veux voyager, ma vie, c'est compliqué. Mais cependant, le Seigneur m'a mis à cœur de venir vous faire une offrande. Elle avait combien? 400 000 francs. 400 000, c'est le salaire de combien de mois chez un commissaire? Peut-être un mois. Peut-être c'est tout un salaire. 400 000 francs. Mais quelqu'un enlève 400 000, il me donne. Et les dons, j'en ai comme ça. J'en ai comme ça. Mon téléphone, les dons, comme ça. C'est-à-dire, mais Orange Money, Momo, etc. Les gens sont reconnaissants. Les gens disent, l'homme de Dieu, c'est l'enseignement qu'il a donné là. Je ne peux pas rester tranquille. Seigneur, j'envoie, je le bénis aussi. Quelqu'un envoie 5 000, l'autre envoie 10 000, l'autre envoie 100 000, l'autre envoie 300 000. Les gens envoient. Il y a des gens qui s'asseyent chez eux, je prie ici, comme je fais mon direct. Quelqu'un guérit chez lui. Et il dit, non, non, l'homme là, je veux le bénir. Donc c'est ça, il y a des gens reconnaissants. Ce n'est pas tout le monde qui est ingrat. Il y a des ingrats, il y a des reconnaissants, des personnes pleines de reconnaissance. J'ai eu des gens qui ont quitté l'étranger pour venir me bénir ici au Cameroun. Et quand on dit bénir au Cameroun, tu comprends que c'est sérieux. Donc, elle m'a apporté une offrande hier. Je parlais d'hier. Elle me suit peut-être. Elle est à l'église. 400 000 francs. Bon, elle m'a déjà apporté des offrandes. 1 million 500 000. 1 million 500 000. Bon, mais à un moment, j'ai commencé à me dire que non. La jeune femme, si.
les offrandes là, je crois qu'elle exagère un peu. Ça, c'est mon raisonnement. Je lui ai dit que tu exagères un peu déjà avec les offrandes là. Vraiment, je préfère prendre des offrandes désormais quand tu seras béni. Donc hier, elle vient encore, elle me persécute avec une enveloppe de 400 000 francs. Quand elle me donne les 400 000 francs, je lui pose une question simple. Est-ce que tu as un compte bancaire? Elle dit non. Je lui demande, est-ce que tu as... Non, elle dit oui. Tu as combien dans ton compte bancaire? Elle dit qu'elle ne sait pas, peut-être c'est 10 000 ou c'est 30 000. J'ai réfléchi à toutes les offrandes qu'elle m'a données. Peut-être 2 millions déjà, ou 3 millions, ou 4 millions. Je ne sais plus. Et je lui ai dit que je ne peux pas prendre ton offrande. Je veux prier pour toi. Je ne prends pas l'offrande. Mais je te demande une chose et tu ne me désobéis pas. Elle a commencé à pleurer. Que pourquoi je ne prends pas son offrande? Je lui ai dit, écoute, voici ce que tu dois faire et tu ne me désobéis pas. Comme tu quittes ici, je te bénis, je prie sur ton passeport, je prie pour ton voyage. Comme je te bénis là, tu quittes ici là, va directement dans ta banque, verse les 400 millions dans ton compte. Et je lui ai dit désormais, quand tu viens pour faire une offrande, tu as une bénédiction. N'apporte plus jamais toute ton offrande. Ça, c'est pour elle. Je ne dis pas pour toi. Toi-même, je connais que tu es même de quel côté. On ne t'a jamais vu. Je parle d'elle. Et je lui ai dit, prochainement, quand tu veux me donner une offrande comme celle-là, enlève la dîme, tu me donnes. Le reste, va mettre ça dans ton compte bancaire. Parce qu'il te faut toi aussi des épargnes. Le jour où Dieu te bénira, exaucera ma prière. Mais si tu veux apporter 10 millions, tu viens avec. Je veux prendre. Il n'y aura pas de problème, je prendrai cela. Donc le commissaire m'explique. Bon, maintenant vous prenez un cas comme celui-là, 400 000, hormis ce que j'ai encore, que les gens m'envoient tous les jours. Sincèrement, frère, tu veux me demander à moi, prophète Kane Ferdinand, que j'ai trempé, que c'est la sorcellerie, mon argent, la richesse, c'est la sorcellerie. Tu as 10 000 personnes devant toi. Tu es tellement bête, aveugle, c'est-à-dire zircon, zinzin, zazou, lolo, louba, maboule, que tu ne peux pas réfléchir. On ne peut pas être pauvre avec 10 000 personnes. Et ce n'est pas 10 000 personnes que c'est seulement les 10 000 à qui je prêche. Ça, c'est une ville à Yaoundé. Berthois, on fait le programme avec plus de 7 000 personnes là-bas. Douala avec plus de 5 000 personnes. C'est-à-dire qu'il y a des dimanches où lorsqu'on rassemble tous les cultes, nos églises, le chiffre de nos églises au Cameroun, ce n'est pas moins de 20 000 personnes qui assistent au culte d'un dimanche dans toutes nos églises. Tu viens demander à un pasteur comme celui-là, tu viens dire que non, il est sorcier. C'est pour ça qu'il a l'argent, mon ami. C'est que tu es tellement bête dans ta tête, que tellement aveuglé qu'on ne peut même pas te répondre. On ne peut pas te répondre. On ne peut pas comparer un pasteur qui a 100 personnes, 1 000 personnes, à quelqu'un qui a 10 000 personnes. On n'a pas les mêmes chances. On n'a pas les mêmes possibilités. On n'a pas les mêmes opportunités. Il faut que les gens comprennent cela. Donc j'ai dit au commissaire que ça, je ne peux pas accepter ça. Ça, vous m'insultez et vous insultez tous les hommes de Dieu de ma génération. Comment pouvez-vous demander à un homme de Dieu que vous-même vous reconnaissez son œuvre dans la nation, que son argent vient d'où? Vous voulez insinuer quoi? Vous voulez vous dire, vous voulez dire quoi par là? Hein? Ce n'est pas possible. Je comprends. Il dit non, vous êtes riche et tout. Je lui ai dit que, attendez, les riches sont à Bastos, hein? Les riches sont à Bastos. Les riches ne vont pas acheter le terrain construit où moi j'ai construit là. Je ne suis pas riche, je ne suis pas pauvre. Le Seigneur m'a accordé, je ne peux pas aussi dire que je ne suis pas béni. Le Seigneur m'a béni, il m'a accordé le nécessaire. Et ce nécessaire, je sais le gérer. C'est tout. Je ne suis ni riche, ni pauvre. Mais le Seigneur a pourvu à mes besoins, je n'ai pas de manquement. Le peu que Dieu m'a donné, je sais le gérer. Mais je comprends, je vous comprends. Je comprends que pour vous, si on parle d'un million, c'est le problème. Mais si vous faisiez bien votre travail, vous-même, les gens viendraient ici là vous faire des dons et des cadeaux. Si tu fais ton travail sans chercher à corrompre les gens, parce que quand tu exiges déjà une somme, un montant à quelqu'un, la personne est déjà fâchée. Elle va te donner ça. Pourtant, peut-être la personne avait même déjà plus que ça à te donner. Elle voulait te donner plus que ça. Donc, je lui ai dit que ça, il ne faut plus jamais répéter ça. Vous ne devrez pas tenir un tel langage aux hommes de Dieu. Et il m'a dit, non, calmez-vous, prophète, calmez-vous, pardon. J'avais une visite chez je pense, le dentiste. Le cabinet m'a appelé. J'ai dit au cabinet que non, 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 j'arrive. Je reviens. Je viendrai après. Le commissaire me dit, non, non, vous pouvez d'abord aller, on va continuer après. Je lui ai dit, non, on a commencé, nous devons finir. Vous devez arrêter de mépriser les hommes de Dieu. Pourquoi? Quand un homme de Dieu a une maison, ça, c'est un problème pour quoi?
C'est un problème pourquoi? Ça vous dérange en quoi? Les imams qui ont les maisons, vous allez convoquer combien d'imams ici? Ou bien les prêtres catholiques? Quelqu'un riche comme l'église catholique? On fait une maison, tu fermes la maison, que la lumière, les ampoules sont même déjà grillées tout dedans, et on veut t'arrêter, on veut t'amener à la police, on dit que tu escroques les gens. C'est que l'église catholique romaine qui a tous les terrains que nos parents ont donné là, il faut nous remettre d'abord tous ces terrains. La plupart des grands terrains que vous voyez là, que l'église catholique a là, c'est les gens, c'était les dons des gens. C'est les dons en fait. Ils n'achetaient pas les terrains. Nos parents leur offraient ça gratuitement. Bon, c'est ça que les gens ne comprennent pas avec l'église. Quelqu'un se lève, par exemple à Bertois, quelqu'un s'est levé, il a donné 2000 mètres carrés. Il se lève. Pourquoi? Il était malade, le monsieur était malade à la mort. Il était malade à la mort. Le Seigneur l'a guéri. Et il a décidé qu'il donne un terrain. Il a donné 2000 mètres carrés. Une autre maman aussi était malade à la mort, à Bertois toujours. Elle aussi, elle a donné le terrain. C'est vrai qu'elle a repris son terrain après. Vous voyez. Donc, on a les gens qui... Tu as des gens, tu as des hommes d'affaires dans ton église. Quelqu'un se lève là, il dit, ah, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner ma maison que j'ai construite là. Il te donne l'immeuble. C'est à ça que nous sommes exposés en tant que serviteurs de Dieu. Et les gens doivent comprendre cela. Les hommes de Dieu, tu vois un homme de Dieu, dès qu'un homme de Dieu est un peu bien, on dit que non, il est en train d'escroquer le peuple. Ah, voilà vos pasteurs qui vous trompent là. Le gars roule à voiture et toi tu marches à pied. Allez arrêter le chef de l'État. Même toi, le président de ton pays, va l'arrêter. Pourquoi il marche dans la voiture et le peuple marche à pied? Ce que vous oubliez parfois, c'est qu'un chef d'État, c'est l'emblème de la nation. Ça veut dire que c'est l'identité remarquable de son pays. Il porte l'image de la nation. C'est la même chose pour chaque homme de Dieu. Chaque homme de Dieu représente son ministère. Chaque homme de Dieu est la marque déposée de son ministère. Et tout chrétien intelligent doit chercher à ce que son pasteur soit représentatif. Que la représentativité soit le partage et la portion de son pasteur. Il faut que les gens comprennent cela. Tout le monde ne sera jamais riche. Tout le monde n'aura jamais la voiture. Même si on fait comment, même en Europe, ça n'existe pas. Même au ciel, Dieu est le seul qui se déplace dans un char de feu. Le reste, les anges marchent à pied. Hormis les armées du département de Michael qui ont des chars pour la guerre. Mais celui qui est véhiculé dans le ciel, qui marche, qui nage dans la gloire. Les anges servent Dieu. Dieu est dans la gloire. Toi-même, tu es son serviteur. Tu n'as même pas où dormir. Il est ton Père céleste là-bas. Pourquoi? Parce que c'est le roi. Il porte l'emblème de toute la divinité. Un jour, nous régnerons avec lui, mais tu ne seras jamais Dieu. Il n'acceptera jamais. Lui-même est jaloux. Il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles. Il dit que non, il peut te bénir. Mais vraiment, tu ne peux pas dire non. Comment Dieu, lui, est assis sur le trône? Nous, si l'on sera assis sur le tabouret, ne sommes pas sur le tabouret, si on va s'asseoir par terre. Mais il faut que les gens comprennent. Un homme de Dieu, c'est l'emblème de son ministère. Et chaque homme de Dieu, chaque pasteur devrait savoir. Chaque chrétien doit se poser la question de savoir en quoi est-ce que je contribue pour que l'image de mon pasteur puisse être rehaussée. Il faut que les gens comprennent cela. Vous voyez. Donc, on a parlé avec le commissaire, on a passé vraiment du temps à discuter dans son bureau. Je vous fais grâce de certains détails. Et je lui ai dit, mais vraiment, mon commissaire, que Dieu vous bénisse, mais ne tentez plus jamais ça. Ne faites plus jamais ça. Parce que là, vous attaquez à Dieu. Mais préparez-vous. Il me dit, comment un pasteur peut avoir les moyens? Regardez la voiture que vous avez. Je lui dis, ah, donc pour vous, un vrai pasteur, surtout comme c'est nous, doit rouler à terre. Pourtant, aller au Vatican, les gens ont les jets privés là-bas. Ça vous dit rien. Peut-être vous-même, vous êtes catholique. Vos prêtres sont bien vêtus, les gars sont bien. Et s'il y a quelqu'un qui est riche comme l'église catholique romaine, ça ne vous pose aucun problème. Mais comme c'est nous, on doit être des va-nu-pieds. Donc vous vouliez que j'arrive ici avec les babouches, etc. C'est comme ça que je suis allé dans une ville. À l'époque, Jamie m'avait pris ses vacances. Elle a pris les vacances et nous sommes allés à Douala. Et comme on était vers Edea, elle m'a dit qu'elle veut que je l'amène à Kribi. Elle m'a dit, papa, amène-moi à Kribi. Je n'avais pas prévu d'aller à Kribi. Moi, j'étais avec mon jean et les babouches au pied. Voilà comment je bifurque directement et on va à Kribi. On fait 3 jours à Kribi. Étant à Kribi, j'ai eu un petit incident là-bas et je me suis retrouvé au commissariat. Donc, quand j'arrive au commissariat, je trouve le commissaire
Le monsieur me parle comme à un garçonnet. Il me gronde. Je me présente comme pasteur, prophète, Ekane Ferdinand. J'explique. C'était l'année passée, je crois. J'explique. Il me dit, ok, d'accord. Oh non, ah, il me gronde, il me parle mal, j'étais tranquille. Il parle, il parle, il parle. J'expliquais doucement. Je me suis expliqué devant lui, j'ai parlé et tout ça. Bon, on était là. Et puis, il m'a dit que j'ai l'interdiction de sortir de la ville. Malheureusement, je ne peux pas parler des détails. De sortir de la ville parce que le procureur et le préfet ont décidé que je dois d'abord rester là pour les enquêtes. Donc, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Le lendemain, je reviens au commissariat et je revendique, je refais ma même revendication. Et il me dit, OK, vous pouvez rentrer sur Yaoundé et envoyer-nous les preuves de telle chose, les documents sur telle chose. Je lui ai dit, je ne peux pas envoyer, moi-même, je vais apporter les documents là moi-même. Je suis rentré sur Yaoundé, j'ai pris les documents, je suis retourné sur Kribi. Mais cette fois, je ne suis plus retourné seul. J'ai aligné les Land Cruiser. J'ai pris le protocole, ma sécurité, la garde rapprochée et une bonne délégation. On est retourné à Kribi. À l'entrée de la ville, on savait déjà dans tous les bureaux qu'il y a une autorité qui est en train d'entrer dans la ville. Parce qu'à l'entrée, vous savez, il y a les agents de renseignement qui sont là. Donc directement, direction procureur, le procureur. Je suis allé voir le procureur. Quand je suis arrivé, on a discuté, on a parlé avec le procureur et tout cela. Et quand on a fini de causer avec le procureur, nous sommes sortis, je me suis présenté et on s'est bien entendu, vraiment. Et il a compris que, bon, peut-être mon visage, je ne sais pas comment les gens voient souvent ça. Bientôt 45 ans, je ne vieillis pas. Donc les gens méprisent ça. Les gens. Donc le procureur a vu la flotte avec laquelle je suis venu. Je pense que c'était suffisant pour leur parler de qui il s'agissait en réalité. Enfin, je suis allé doucement d'abord et puis ils m'ont méprisé. Maintenant, je suis allé avec la violence. Comme Jésus-Christ a dit, vous méprisez le Fils de l'homme, mais que ferez-vous lorsque vous verrez le Fils de l'homme venir dans toute sa gloire, entouré de ses saints anges? En ce moment, on va te dire, approche-toi de lui, tu ne pourras pas. Donc je suis arrivé comme ça. Et on est sorti, on a discuté avec le procureur et puis il est sorti. Il a regardé les voitures. Il y avait une ML Blue Tech. Il m'a dit que lui-même, il pensait acheter une voiture comme celle-là. On a discuté un peu sur ça, sur les Land Cruiser et tout ça. Et puis, il m'a fait une note d'aller voir le commissaire. Je suis allé vers le commissaire. Je suis arrivé. La flotte a garé. Le protocole est sorti. Le commissaire voulait venir. On lui dit non, 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 vous n'approchez pas trop le prophète. Il dit comment ça? Il dit non, non, s'il vous plaît, n'approchez pas trop. Parlez doucement. Oh. Et puis, et il demande à un de mes gardes du corps que. C'est les voitures du prophète, on lui dit oui. Et il demande que vous, c'est son garde du corps, il dit oui. Il dit waouh. Sa manière de me parler a changé. Il a commencé à me vouvoyer, pourtant il me tutoyait avant. Il a commencé à me vouvoyer. Il m'a amené dans son bureau, il a dit non, prophète, vous savez, vous êtes une autorité dans cette nation. On ne vous menaçait pas, on faisait juste notre travail, il fallait vérifier. Vous savez qu'on vous protège même. Hein? On est là pour votre protection, donc faut pas mal prendre, ne vous fâchez pas et tout cela. Et donc, il m'a remis tout ce qu'il devrait me remettre. Et puis, voilà, j'ai signé, j'ai déchargé. Et puis, il m'a dit qu'il veut me voir dans son bureau. Je suis allé dans son bureau, on a causé. Il m'a posé ses problèmes. Il m'a dit, voilà, vraiment, j'ai tes problèmes, etc. Bon, ce que je pouvais faire, j'ai fait pour lui. Et puis, j'ai fini, j'ai prié avec lui. Et il m'a dit, prochainement, quand vous venez, faites-moi signe, on doit vous garder. Et la prochaine fois, quand je suis revenu pour la campagne, il a dépêché un élément de la police en civil, qui m'a gardé partout où j'allais. Et je bénis Dieu pour cela. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que parfois, les gens ne comprennent pas bien ce que nous sommes. Les gens ne comprennent pas cela. Une fois, j'étais en train de rentrer du Nord. On avait une campagne d'évangélisation à Garoua. On revenait et il y a un douanier qui nous stoppe dans un village. Je lui présente les papiers de la voiture. Il dit que non, la voiture si, n'a pas été bien dédouanée. Les papiers, si, là, on doit vérifier si c'est vrai. Je lui ai dit que non. Je lui ai dit que mon frère, la voiture, s'il n'a aucun problème, moi, je dédouane mes voitures normalement. Je ne veux jamais entendre que mon nom est sorti dans un journal que le prophète Kane Ferdinand fait le faux avec le dédouanement, avec la douane. Il a dit non, non, ce n'est pas vrai. On doit aller, on doit amener la voiture en fourrière et tout. Il y avait les bagages dedans. J'étais avec Mireille.
Et maintenant, il ouvre la voiture pour entrer chez Jésus. Mireille me dit que non, il faut qu'on l'aide. Elle veut descendre, pousser les affaires pour qu'il s'asseye. Je lui ai dit que non. Et si on l'a invité, lui-même va se débrouiller pour pousser ça et s'asseoir, qu'il se fasse une place. Donc il a poussé là, il a gémi, j'avais les bagages. Et puis, on a fermé. On est parti. Je lui ai parlé en patois, que quand il y a Derdam, que mon frère, la voiture n'a aucun problème, s'il te plaît. Le gars n'a pas voulu comprendre parce qu'il savait que l'argent va sortir. Ici, là, je vais dépenser. Il va manger sa part. C'est sûr que le gars a même appelé sa femme. Que chérie, tu as mis la marmite au feu? La femme a dit oui. Tu as mis quelle marmite, la grosse ou la petite? La femme a dit certainement la petite marmite. Il lui dit non, 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 non. Pardon, laisse-moi la petite marmite au feu. Mets la grosse. Dieu n'oublie personne. Il y a un gros poisson qui est tombé. Voilà comment nous quittons de son village, du village où il était en poste. On va jusqu'en Ngaoundéré. On arrive en Ngaoundéré. On s'arrête dans où la voiture devait être mise en fourrière. On entre. Et puis, quand on s'arrête, il sort. Il me demande les clés de la voiture. Je lui demande pour faire quoi avec. Il me dit, la voiture est en fourrière. Je lui ai dit que mon frère, ce n'est pas ta voiture. De deux, il faut me prouver que les papiers sont faux. Là, tu prendras les clés. Mais pour le moment, c'est encore la voiture est encore avec moi. Et je me suis mis, j'ai pris mon téléphone, je suis un peu éloigné, j'ai passé un coup de fil. Et je suis revenu, je me tirais, je faisais le sport. Il se tourne, il voit que moi je fais le sport. Comme j'avais conduit sur une longue distance, je fais le sport. Il demande, celui, si on veut mettre la voiture en fourrière, il profite pour faire le sport. C'est quel genre de personne comme ça? Après, c'est son supérieur qui appelle, un capitaine. Je ne sais pas quel grade lui il avait. Parce que moi, les grades, là, je commence à connaître à partir d'adjudant, adjudant, adjudant chef, sous-lieutenant, lieutenant, voilà. Capitaine, je pense, commandant, lieutenant, colonel, colonel, général et tout. Donc, c'est à partir de là. Donc, son chef m'appelle. Il dit, oh, ce prophète, quand il fait, non, il dit, oui, j'ai appelé Yaoundé, en fait. J'ai appelé Yaoundé. Et Yaoundé a appelé Ngaoundéré. Et donc, son patron m'appelle. Il dit, s'il vous plaît, prophète, je demande pardon. Je vous demande pardon. Mon élément là, vraiment, on ne sait pas ce qui lui est passé par la tête. Pardon, j'ai demandé qu'on vous remette votre dossier. Partez. Sauf si vous voulez attendre quelques minutes. Je suis en train de rouler comme un fou pour venir vous présenter les excuses. Je lui ai dit, OK, je vous attends. Il est arrivé. Il a demandé pardon. Le problème, c'est quoi? C'est que toi, tu menaces là. Tu ne sais pas si ton patron cause. C'est-à-dire, si ton patron, si c'est le pasteur là qui prie pour ton patron. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc, le capitaine s'est excusé, il m'a remis mes dossiers, et quand je partais, je lui ai remis 50 000. Le capitaine me parle avec respect. Mais son élément, qu'on ne sait pas s'il va porter le galon un jour, m'insulte, il me manque de respect, il me parle, il me gronde. Le gars était confus. Pendant que j'étais dans la voiture, il vient donc avec un autre élément, un autre douanier, et ils se mettent à côté. Lui ne me parle pas, celui qui m'avait menacé. C'est son frère. Il dit à son frère me parle. Il dit, prophète, pardon, mon frère. Et on te supplie que vous lui donniez au moins l'argent pour le transport qui rentre au village où vous l'avez pris. Je lui ai dit que je ne l'ai pas pris. Il s'est pris lui-même. Bon, j'ai eu pitié de lui. J'ai pris quand même un petit 2000 qui était déchiré là. Je ne sais pas si quelqu'un a accepté ça. Je lui ai donné ça. Il a pris ça lui-même. Je suis parti vérifier les 2000 là. Si un chauffeur va accepter cela. Et je leur ai dit le jour-là que mes frères, ne jugez pas les gens sur les apparences. Et les hommes de Dieu, ne jouez pas avec eux. Tu peux voir quelqu'un marche pieds nus, mais il prie la nuit pour le chef de l'État. Tu vois un homme de Dieu, même manger celui-là. Tu as dit qu'il habite dans une cabane, mais il prie pour les ministres. Il prie pour ton patron. Et je vais finir avec l'histoire-ci, qui est aussi une histoire très grave. À Douala, nous avions un voisin dans l'armée qui était un colonel. Il était colonel. Et donc, on a fait culte un jour, et il est sorti. Il nous menaçait toujours. Il nous menaçait toutes les fois. Et donc, on a fini de faire le culte. Et il est sorti avec un calibre 12. Il a tiré en l'air. L'église de Douala n'était pas encore totalement tollée. Il a tiré en l'air. Pam, pam! En plein culte. On venait de finir le culte. Je venais juste de partir. Bien-aimé, est-ce qu'on peut faire ça? Et ça, c'est sérieux. Un colonel, quand même, c'est un intellectuel. C'est quelqu'un de respectable. Ça ne va pas. Appelle le responsable. Dis, je veux voir votre responsable. Et on s'assoit, on essaye de parler, on voit s'il y a des choses à arranger. Mais tu prends l'arme. On est tous des Camerounais. On est Camerounais. Je suis dans ma nation. Camerounais de père et de mère.
Les gens viennent, des citoyens camerounais viennent paisiblement adorer Dieu. Tu prends l'arme, tu tires. Tu as en face de toi des bandits, c'est des ambazoniens. Tu as en face de toi des braqueurs. Tu as vu qui braquait qui là-bas. Il prend la victime, pam, pam. Quand on m'a appelé au téléphone, quand voici le colonel est venu, il a tiré ici à l'église. J'ai dit filmer les douilles, filmer tout. On a filmé les douilles et tout ça. J'ai dit ok. L'affaire, si on va traiter ça normalement maintenant. On va traiter ça normalement. Il y a un général pour qui je priais. J'appelle le général. Et je lui dis, voici la situation que j'ai eue. Le général, j'avais donné une prophétie sur lui. Et la prophétie s'était accomplie exactement depuis ce temps. Cet homme a un saint respect pour ma personne. Et moi, dans ma façon de fonctionner, le plus souvent, je ne veux pas trop faire les autorités. Non, j'accomplis ce que Dieu m'a dit. J'ai envoyé quelqu'un aller dire comme ça au général. Et il a dit, et je n'ai jamais rencontré le général lui-même. Nous causons par téléphone. Donc, j'appelle donc le général. Je lui dis, monsieur le général, voici le problème que j'ai. Il y a un colonel comme ça, comme ça, comme ça. Le général me demande, trouve-moi son nom. Trouve-moi son nom. Je vais donc, je demande. J'ai dit, trouvez-moi le nom du colonel. On trouve donc le nom du colonel. Je rappelle le général. Je lui dis, voici son nom. Le général me dit, ah non, c'est mon élément. Non, 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 ça va, ça va, ça va. Ça va, c'est fini. Je l'attends ici demain. Mes amis, le lendemain, le colonel est allé au travail. Le général l'a convoqué dans son bureau. Le général l'a tellement civilisé que l'aide du camp du général nous a raconté que quand le colonel est sorti de son bureau, il est allé entrer dans un autre bureau. On lui a dit que mon colonel, ce n'est pas votre bureau ici. Le colonel a confondu le bureau et on l'a affecté immédiatement, affectation disciplinaire. Parce qu'on lui a dit, tu ne peux pas aller tirer dans une église. Et moi, j'avais même mis aussi une plainte au niveau de la CEMIL. Parce que les gens pensent que nous ne connaissons pas notre droit. Menacer, et si tu blesses quelqu'un, un citoyen qui est venu adorer, tu prends le fusil, tu es dans le champ de guerre. Voilà comment le colonel a été affecté et puis il a eu une punition sévère par rapport à son comportement. Mais il ne pouvait pas imaginer que le jeune pasteur là prie pour mon patron. Il ne pouvait pas s'imaginer. Mais si tu disais quoi, il ne pouvait pas imaginer, accepter que non, le patron, ça c'est le passé de mon patron. Mon patron, on prie pour lui, il a un respect pour cet homme. Ouais, l'orgueil dans la vie, ce n'est pas bien. L'orgueil dans la vie, ce n'est pas bien. Donc les hommes de Dieu doivent être respectés. Nous rendons des services loyaux à la nation, nous ne demandons rien. Le gouvernement ne nous paye pas. Le gouvernement devrait plutôt défendre les hommes de Dieu, nous encadrer, défendre l'Église, préserver l'Église. Avant que Dieu ne défende l'Église, le gouvernement devrait d'abord nous défendre. Donc depuis le jour-là, notre ami le commissaire, il a compris. Il ne m'a plus jamais redit ces choses-là. Au contraire, après on est devenus des amis. Et quand il avait des difficultés financières, il me disait, et puis je l'aidais, et voilà comment est-ce que l'affaire a été achevée. Donc, bien-aimé, que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Et c'était juste pour dire, priez pour nous les hommes de Dieu. Nous sommes encore dans des nations où les mentalités ne sont pas encore développées, comme au Nigeria, où un homme de Dieu peut avoir des villas, des hôtels, ça ne dit rien à personne. Au contraire, lorsqu'un homme de Dieu n'a même rien là-bas, là, on le suspecte. On dit, non, ce n'est pas le même Dieu qui a béni les autres, qui t'a appelé. Toi, tu vas nous dire quel est ton Dieu. Là-bas, la réussite, même dans le ministère, c'est par rapport au succès qu'on a. Mais chez nous ici, quand tu as un peu de succès même, c'est là que tu es sorti, on dit que tu as trempé. Ouais, c'est ça un peu le problème. Que Dieu puisse nous délivrer de cette mentalité retardée et qu'il comprenne, que les gens comprennent les évidences dans lesquelles nous progressons et vivons en tant qu'hommes de Dieu. Alors, bien-aimés, ce soir, à partir de 17h, nous serons à la bille. Toi qui ne seras pas là physiquement, connecte-toi à ma page. Et je vais demander une chose à chacun d'entre vous. Une seule chose. S'il vous plaît, une seule chose. Si vous n'êtes pas abonné à ma page, abonnez-vous. C'est le cadeau que vous allez me donner. C'est un encouragement. On est à 141 000 abonnés. Je bénis le Seigneur. On va fêter lorsque nous allons atteindre les 200 000 abonnés. Donc, s'il vous plaît, à 150 000 abonnés, même déjà, on va déjà fêter. Pardon, abonne-toi à ma page et clique sur la cloche de notification. Fais-le et que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ Nazareth. Vraiment, si tu m'aimes, mon frère, ma soeur, abonne-toi à la page. Pardon, abonne-toi. Dis pas seulement que, oh, je vous aime, je vous aime. Maintenant, l'amour avec la bouche, là, ça n'a aidé personne. Il faut t'abonner. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, pour sensibiliser
les autorités et les hommes de Dieu à comprendre. Que les hommes de Dieu aussi ne se fassent plus mépriser ou se fassent plus marcher dessus. On doit défendre le saint sacerdoce et que Dieu te bénisse. Rendez-vous le soir à partir de 17h. Soyez connectés. Il y aura le séminaire sur le mariage et sur l'onction supérieure de mariage et de finances. Dieu te visitera sur le plan sentimental et sur le plan des finances. Que Dieu soit ton partage et qu'il soit ta haute retraite au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Je serai à Berthois ce dimanche. Tous les habitants de Berthois, dimanche 7h30, Mokolo, ancienne SCT. Nous serons là à partir de 7h30. La main de Dieu agira avec puissance et Dieu se manifestera avec gloire. Donc voudrais dire à tous les habitants de Berthois, vous êtes bénis. Dieu s'est souvenu de vous. Shalom. Bye.